you that you move and have our being. Père céleste, nous te louons parce qu'en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. We gather here in your presence. Et nous sommes rassemblés ici dans ta présence. Thank you for all the ways that you have been with us to bring us together here. Merci pour toutes les façons dont tu as été avec nous pendant toutes ces dernières années. This morning, Father, we want to continue to meet with you. Et ce matin, Père, nous voulons continuer à te rencontrer. We want much more than information or challenge. Nous voulons plus que des informations ou des défis. We have a conviction in our heart as a ministry. The most important thing for us is how we minister to you. Et nous avons cette profonde conviction que pour nous, en tant que ministère, la chose la plus importante, c'est la façon dont nous bénissons ton cœur à toi. We all agree you're worthy of that. Et nous sommes tous d'accord pour dire que tu es digne. But for some reason, it often gets lost in the midst of many things we're doing. Et pour une raison ou pour une autre, souvent, nous nous perdons et nous oublions cette motivation première au milieu de tout ce que nous faisons. It gets limited to a time of worship when we're singing songs. Et ça se limite à un temps de louange où on chante quelque chose. And today, Lord, we're asking that you would reveal to us, and with that revelation, bring faith into our hearts for a lifestyle of ministry to you. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons que tu apportes ta révélation dans nos cœurs. Et avec cette révélation, la grâce de pouvoir vivre un style de vie où tout ce que nous faisons, c'est pour ta gloire et pour toi d'abord. You see, in the book of Revelation, that is what will be at the heart of eternity. Mais nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que c'est ce qui sera au cœur du style de vie de l'éternité. But you will not be more worthy then than you are now. Mais tu ne seras pas plus digne à ce moment-là que tu l'es maintenant. And now, Lord, we want to love you with all of our hearts, soul, mind, and strength. C'est pourquoi, Seigneur, déjà maintenant, nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. We want our lives to minister to you 24/7. Et nous voulons que nos vies te glorifie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Set apart for you. Être mis à part pour toi. Holy Spirit, would you bring us into that place? Saint-Esprit, peux-tu nous ramener dans cette position? That walk with our Father, we ask in Jesus' name. Dans cette marche avec notre Père, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. He was very young. Il était très jeune. He had a difficult childhood. Il avait eu une enfance difficile. His teen years were filled with violence and immorality. Son adolescence était pleine de violence et d'immoralité. But when he was 18 years old, he had a direct encounter with Jesus. Mais à l'âge de 18 ans, il a eu une rencontre forte avec Jésus. And his life was radically changed. Et sa vie a été radicalement changée. He became a school teacher actually when he was only 18 years old. Il est devenu enseignant. Professeur des écoles, donc il n'avait que 18 ans déjà. Then he decided to go to Bible school when he was 19. Puis à l'âge de 19 ans, il est entré dans une école biblique. He got married when he was 22. Il s'est marié à 22 ans. And he became involved in full-time ministry when he was 23. Et à l'âge de 23 ans, il était impliqué dans un ministère à plein temps. And by the time he was 25, he had become the senior pastor of a church. À 25 ans, il était devenu le pasteur principal d'une église. And when he was 28 years old, he stepped off the plane in Kona, Hawaii. À l'âge de 28 ans, il est descendu de l'avion à Kona, Hawaii. With his wife and a 6-month-old baby girl, little girl. Avec sa femme et son petit bébé de 6 mois. And a little boy that was 2.5. Ainsi que son fils, il avait 2 ans et demi. Of course, I'm talking about my life. Bien sûr, je parle de ma vie. Before I came to YWAM, avant d'arriver à JEM, I was a young man that was just passionately grateful to Jesus. J'étais un jeune homme qui était passionnément reconnaissant envers Jésus. It just was my life. C'était ma vie. Jesus said, "Those who are forgiven much, love much." Jésus a dit, ceux à qui on a beaucoup pardonné ont beaucoup aimé. And I love Jesus so much. Et j'aimais Jésus tellement. I wanted to know him, of course. Et bien sûr, je voulais le connaître. And so, every spare minute,
I could find, whether it was in Bible school or after Bible school. Ainsi, dans chaque minute de livre que je pouvais trouver, que ce soit dans l'école publique ou après, I really wanted to know who he was. Je voulais vraiment savoir qui il était. And so a study of his character was something that began quite young in my life. Donc l'étude de son caractère, c'est quelque chose qui a commencé très tôt dans ma vie. But I was insecure. Mais j'étais profondément désécurisé. I had most of my life been fighting to become somebody. Toute ma vie, j'avais lutté pour être quelqu'un. And so as I became a Christian, et quand j'étais devenu chrétien, my goal was to do as much as I could for Jesus. Mon objectif, c'était d'en faire le plus possible pour Jésus. So I was a very driven young man. Donc j'étais un jeune homme qui était attiré par les activités. More was better. Plus il y en avait, mieux c'était. In fact, I read about John Wesley, his life. Et en fait, j'avais lu la biographie de John Wesley. John Wesley had a goal of doing something of eternal significance every 15 minutes. Et John Wesley avait pour objectif de faire quelque chose qui avait une portée éternelle tous les quarts d'heure. That's why they called his followers Methodists. C'est pour cela qu'ils ont appelé ses disciples les méthodistes. They had a clear method of how to make the most of every minute. Ils avaient une méthode très claire pour pouvoir tirer le meilleur parti de chaque minute. He wrote books while he was riding his horse. Il écrivait des livres tout en étant sur son cheval. He was my hero. Il était mon héros. I wanted to be like John Wesley. Je voulais être comme John Wesley. And I wanted to see revival happen. Et je voulais voir le réveil arriver. And there were special moments in my life before I came to YWAM. Et avant que j'arrive à Jeunesse en Mission, il y a eu quelques moments particuliers. I remember one in particular. Je m'en souviens d'un particulièrement. I don't know if you have the scripture or not, Johan. We've been having trouble with the internet this morning and downloading. Je ne sais pas si tu as pu trouver ce verset, Johan. On a eu un peu de problème. If you have your Bible, if you could turn with me to John chapter 3. Mais si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir avec moi dans Jean au chapitre 3. Verses 29 to 30. Et versets 29 et 30. I'd experienced God's transforming power as we had, Carol and I had begun our full-time ministry with American Indian children in the desert. J'avais commencé la puissance transformatrice du Seigneur alors que Carol et moi avions démarré le ministère avec les enfants des tribus indiennes du désert. We saw all the children and teenagers we took out of prison come to Jesus. On a vu tous les enfants et adolescents qu'on a aidés à sortir de prison venir à Jésus. Now we were on our way to Vancouver Island from Arizona. Et maintenant, depuis l'Arizona, on était en chemin pour l'île de Vancouver. And I had a vision to start house churches amongst the Indians on Vancouver Island. That was my vision. Et j'avais la vision de démarrer des églises de maison parmi les Indiens de l'île de Vancouver. But we were stopped along the way, and I ended up in a church. Mais on s'est arrêté en route, et je suis arrivé dans une église. Something that God I would never do. Quelque chose que j'aurais préféré ne jamais avoir fait. Because my vision of the traditional church was something that was not pleasing to God. Parce que ma vision de l'église traditionnelle, c'était quelque chose qui ne faisait pas plaisir à Dieu. And in fact, when I was in Bible school, I started a special church for witches and warlocks, people who were worshiping Satan. Et en fait, comme j'étais à l'école biblique, j'avais commencé une église, un groupe spécial pour les sorcières et les sorciers, les gens qui avaient ça. Non. Yeah, I didn't like religion. In fact, I hated it. En fait, j'aimais pas la religion et je détestais cela. I wanted the most hurting people and the most lost people to come to Jesus. Moi, je voulais que les gens les plus perdus et les plus souffrants puissent rencontrer Jésus. And so we put out posters in town inviting people to a blood sacrifice. Donc on avait mis des posters et des affiches dans la ville pour inviter les gens à un sacrifice de sang. And the Satan worshippers came. Et puis tous les adorateurs de Satan sont venus. We saw them delivered from demons. Et on les a vus délivrés des démons. Their lives changed. Leur vie a été changée. That was my kind of church. C'était mon genre d'église. This other one, I wasn't sure where it came from, but I didn't think it came from God. Et puis celle-là, on s'est retrouvé. Je n'étais pas très sûr d'où elle venait, mais il me semblait en tout cas pas qu'elle venait de Dieu. But he led me into this very traditional church. I won't tell you the denomination. Mais il m'a conduit dans cette église très traditionnelle. Je ne dirai pas la dénomination. And I was serving this pastor. Et puis je servais ce pasteur. And it became like a Saul and David situation. Et c'est devenu une situation comme celle de Saül avec David. He
began to attack me in very unkind ways. Il a commencé à m'attaquer de manière vraiment pas sympa. And I grew a lot during that time. Et j'ai beaucoup grandi pendant cette période. One Sunday he stood up in the pulpit and he said, last night God called me in a vision to leave this church. Un dimanche matin, il s'est levé dans la chaire et il a dit, hier soir j'ai fait un rêve, j'ai eu une vision et il me semble que Dieu m'appelle à quitter cette église. And as I walked to the back of the church that morning, the elders came up and said, Dale, would you be our pastor? Et alors que je sortais du bâtiment ce matin-là, les anciens sont approchés de moi en me posant cette question. Dale, est-ce que tu ne voudrais pas devenir notre pasteur? I was 25 years old. J'avais 25 ans. And suddenly I was a senior pastor of this church. Et tout à coup, je me suis retrouvé le pasteur principal de cette église. And I tried my best to help the people come to know who God really is in His character. Et j'ai fait de mon mieux pour aider les gens à découvrir Dieu tel qu'il est dans son caractère. And quite a few people came at the beginning of my series. Et beaucoup de personnes sont venues au début de ma série d'enseignements. But I found out that people were more interested in finding out what buttons they could push so God could do things for them, you know, out of their faith and miracles and blessings. J'ai rapidement découvert que les gens étaient plus intéressés à savoir sur quel bouton appuyer pour que Dieu fasse des choses pour eux et qu'ils puissent recevoir des choses de lui. Hein. Vous savez, la foi, les miracles, les guérisons. And their interest in knowing God became smaller and smaller, it seemed like. Et il semblait que leur intérêt pour connaître Dieu en profondeur diminuait toujours plus. And I told them, I don't see in the Bible a picture of a pastor who runs a whole church. I can't find it there. I don't think this is biblical. Et puis je leur ai dit, j'arrive pas à trouver dans la Bible l'image d'une église dirigée par un pasteur. Il me semble pas que c'est un modèle biblique. Yeah, I said, I see a body of believers. Et je leur ai dit, oui, je vois un corps de croyants. And Jesus is the head. Et Jésus est la tête. And I tried to encourage them to all find their place and function together. Et puis j'ai essayé de les encourager à tous trouver leur place et à fonctionner ensemble comme un corps. Half the church were excited about it. The other half wanted a traditional church. Et la moitié de l'église était enthousiaste à ce sujet. L'autre moitié voulait fonctionner comme une église traditionnelle. And it was very painful for me. Et pour moi, c'était très douloureux. So I went into the church this one day, and I was there. Actually, I was crying because it was so difficult. Donc un jour, je suis allé dans l'église et je me suis mis à pleurer parce que la situation était tellement lourde. I was learning to hear the voice of God more and more clearly. J'apprenais à entendre la voix de Dieu de plus en plus clairement. And he led me to this passage of scripture I'd like us to read together. Et il m'a conduit dans ce passage des Écritures que j'aimerais lire avec vous. Can you put that up again? It says here, the bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens to him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and it is now complete. I must become, he must become greater, I must become less. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je grandisse. It was a very special moment. C'était un moment tout particulier. Jesus was speaking to me about his bride. Jésus me parlait de sa fiancée, de son épouse. His love for a very difficult church. Son amour pour une église très difficile à aimer. But it was more than that. Mais c'était plus que cela. He was speaking to me as a friend. Il me parlait comme un ami. And he was saying to me, Dale, could I share with you my love, my joy over my people? Et il me disait, Dale, est-ce que je peux partager avec toi mon amour, ma joie au sujet de mon peuple? And that day, as I wept there in his presence, et ce jour-là, alors que je pleurais dans sa présence, I began to experience for the first time God sharing his heart with me on a very different level. J'ai commencé à expérimenter pour la première fois l'amour de Dieu répandu sur moi à un niveau très différent. And I found myself going back again and again to him to say, what's in your heart today, Jesus? Et je me suis retrouvé à continuellement, encore et encore, venir vers lui avec cette question. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur pour moi aujourd'hui, Seigneur? What are your desires? Quels sont tes désirs? And many of you forefathers have had teaching on the difference between a servant of God and a friend of God. Et beaucoup d'entre vous ont reçu un enseignement sur la différence entre un ami et un serviteur de Dieu. Yeah.
A servant is focused on doing as much as he can for his master. Un serviteur est focalisé sur le fait d'en faire le plus possible pour son maître. And a servant measures their success by how much they achieve for God. Et un serviteur mesure son succès en voyant combien il a pu faire pour son maître. But a friend of God, mais un ami de Dieu, he knows his master's business in that il sense. Connaît les affaires de son maître dans ce sens. He takes the time to hear the heart of his friend. Parce qu'il prend le temps d'écouter le cœur de son ami. And his reward is not doing as much as possible. Et sa récompense, c'est pas d'en faire le plus possible. But it is on fulfilling the desires of his friend in the time and in the way and to the degree. Mais c'est de pouvoir répondre aux désirs du cœur de son ami au moment et dans la mesure où c'est possible. This began to grow in my heart. Et ce désir a commencé à grandir dans mon cœur. But you know, when people are looking at you and asking you what you're doing and questioning your leadership, the insecurities in your heart are quite strong still. Mais vous savez, quand les gens vous regardent et on les attend sur vous et vous demandez ce que vous faites et ils ont des attentes sur votre leadership, ça commence à être difficile à gérer. And you know my story, how the Lord told me to leave that church and go to the mountains and wait for him. Et vous savez la suite de mon histoire, comme le Seigneur m'a demandé de quitter cette église et de me rendre à la montagne pour m'attendre à lui. It was a big step of faith. C'était un grand pas de foi. Because we had a baby and a very little boy. Parce qu'on avait un bébé et un petit garçon. I had the security of a very excellent salary. J'avais la sécurité d'un très bon salaire. Much more than I make today. Beaucoup plus que celui que j'ai aujourd'hui. My own beautiful home that the church provided for me. Et j'avais une magnifique maison que l'église avait pourvue pour moi. Every year, one of the members in the congregation who owned a car company would make sure I had the newest car. Chaque année, un membre de l'église qui avait un garage qui vendait des voitures s'assurait que j'ai la dernière voiture qui était sortie. 3 weeks paid vacation. J'avais 3 semaines de vacances payées. And I was kind of given a blank check to say, do whatever you feel God wants you to do. It was quite an opportunity for a 25-year-old. Et j'avais carte blanche pour faire tout ce que Dieu me montrait faire. I was coming closer to 28. God said, leave this, go to the mountains. Mais en arrivant vers 28 ans, le Seigneur m'a clairement parlé en me disant, quitte cette situation, cette église, et rends-toi à la montagne. A very difficult time. Ça a été un temps difficile. But a time where my faith was being tested. Mais un temps où ma foi a été éprouvée. Just like muscle, our faith has to be challenged, doesn't it? Comme nos muscles, notre foi doit être exercée, n'est-ce pas? It has to come to the place of hopelessness, and we're still hanging on for that faith to become refined like gold. On doit arriver à cette position de désespoir pour que notre foi soit vraiment travaillée et qu'elle devienne comme l'or. And it was there, as you may recall, that at the end of that 6 months that the Lord spoke to me about how he wanted to reveal himself to the children and young people. Et c'est à la fin de ces 6 mois que j'ai reçu cette parole où Dieu me disait qu'il voulait se révéler lui-même à moi et à ses enfants. As a father, and then I went back to that same church to work with the children. Comme un père. Et après, je suis retourné dans cette même église pour travailler avec les enfants. And I did the same series on studying God's character with the children. Et j'ai fait la même série d'études sur le caractère de Dieu, mais cette fois avec les enfants de l'église. But this time it was different. Et cette fois-ci, c'était différent. Our treasure hunt led us to really meet God, and we had an awakening amongst the children. Notre chasse au trésor nous a conduit à vraiment rencontrer Dieu, et on a vécu comme réveillé avec les enfants de l'église. My little group of 20 difficult children grew. Mon petit groupe de 20 enfants difficiles a grandi. And within about 6 or 7 months, we had over 200. That were coming together there. They were inviting their friends and we were meeting God. Et en 6 ou 7 mois, on s'est retrouvé avec 200 enfants parce que les enfants qui étaient là au début ont commencé à inviter leurs amis et ont rencontré le Seigneur. And for the first time in my life, I saw children not just sing songs, but actually worship God in spirit and in truth. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pu voir des enfants non seulement chanter des chants, mais réellement adorer Dieu en esprit et en vérité. Because they had had revelation. Parce qu'ils avaient eu une révélation de qui est Dieu. They were worshiping God for who he is. Ils adoraient le Seigneur pour qui il est. Not just what he's done. Pas seulement pour ce qu'il faisait. And then the Lord said, why wham? Puis ensuite le Seigneur m'a parlé de Jem. This was not a nice thought. C'était pas une pensée attirante. Because I've had YWAM teams visit my church a number of times. Parce que j'avais eu des équipes de jeunesse en mission qui avaient visité mon église à plusieurs reprises.
They were passionate, highly committed young people. C'était des jeunes passionnés, très engagés. I noticed they were very good at prayer. J'ai remarqué qu'ils étaient très bons pour la prière. But often, when they were leaving, I would watch them sitting out in their car, actually two times. Et en fait, deux fois, quand ils ont quitté notre église, j'ai pu les observer s'asseoir dans leur voiture. And through the window from my office, I saw they were out there a number of hours, sitting in their car. Et puis, depuis la fenêtre de mon bureau, je pouvais les voir assis dans leur voiture pendant plusieurs heures. And I went out and I said, are you okay? Et puis j'étais sorti pour leur demander, mais ça va? Yes, we're fine, we're praying. Et puis ils me disaient, oui, oui, ça va, mais on prie. I said, you can come inside, where's the air conditioned, and pray too. Et puis j'aurais dit, mais vous pouvez venir dedans, où il y a l'air conditionné, ça sera plus puissant. Well, I said, actually, we need to go. Et puis ils m'ont dit, oui, mais en fait, on doit y aller. I said, well, you can go. J'ai dit, bah, allez-y. They said, we don't have any gasoline. Puis ils me disaient, oui, mais on n'a pas d'essence. We're praying for the money for gas. On prie pour avoir de l'argent pour l'essence. Took the money out of my pocket, I gave them money. Hallelujah, they went on their way. Et puis je sortais mon porte-monnaie, je leur donnais l'argent, et puis ils disaient Alléluia, et puis ils mettaient en route. So my view of YWAM was, these people may be very passionate, but they're not very organized, and they're short of money. Donc ma vision de jeunesse en mission, c'est ces jeunes sont peut-être très passionnés, mais ils sont pas très organisés, et puis ils ont pas assez d'argent. I needed money for my family, you know. Moi j'avais besoin d'argent pour nourrir ma famille. Almost starving to death. Parce qu'on était, on mourait presque de faim. On top of that, YWAM had just lost their first ship. Et puis par-dessus ça, j'avais appris que Jem venait de perdre leur premier bateau. I said, oh God, please, don't take me into a ministry that is disorganized and out of money. Et je disais, Seigneur, s'il te plaît, ne m'amène pas dans un ministère qui est aussi désorganisé et qui manque de ressources. But they, you know, it kept coming, so I said, okay. So I made arrangements to meet the main YWAM leader there in California. Donc, la pensée ne cessait pas de venir dans ma tête, donc j'ai fait l'arrangement pour pouvoir prendre rendez-vous avec le principal responsable de la Californie. I got dressed in my going to see leaders clothes. Et puis, je me suis habillé avec mes habits pour rencontrer d'autres leaders. Drove 3.5 hours to meet him. J'ai conduit pendant 3h30 pour le rencontrer. And he forgot the meeting. Et il a oublié la réunion. Instead, his secretary was there in a bathrobe with a towel on her head. Et au lieu de ça, il y avait sa secrétaire qui était là, où sont His secretary. It was a lady. It was a secretary. C'était sa secrétaire qui était là avec sa robe de chambre et puis un linge sur la tête. It was a man with a towel on his head. Just trying to picture that. So this lady opens the door and says, "Oh, I'm sorry." Et cette femme a ouvert la porte et me dit, "Oh, je suis désolée." If I mentioned the name of the leader, you would know who it is. Si je mentionne le nom du leader, vous allez voir qui c'est. I'm sorry he forgot the meeting. Je suis désolé qu'il ait oublié la réunion. I looked at my wife. J'ai regardé ma femme. I didn't have to say anything. J'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit. So I'd already told her I don't think we should do this. Parce que je lui avais déjà dit, je pense pas qu'on doit faire partie de cette organisation. She said, but come on in and I'll get dressed. Et puis elle m'a dit, mais entrez, je vais aller m'habiller. I thought, well, at least she's intelligent. So we waited while she got dressed. Donc on a attendu pendant qu'elle s'habillait. She came out, she said, well, what do you want? Et elle est venue dans la pièce, puis elle a dit, alors qu'est-ce que vous voulez? I'd like to find out about why now. Puis j'ai dit, mais j'aimerais savoir plus sur Jeff. We're considering the possibility of joining youth at the mission. Parce qu'on réfléchit à la possibilité de nous joindre à la jeunesse en mission. She said, great, let's seek God. Puis elle m'a répondu, ah super, cherchons Dieu ensemble. I didn't know that God was lost, you know. It's why I'm language, is that right? Ça, c'est le langage de Jeff. I didn't say it, I just smiled to myself. J'ai rien dit, j'ai juste souri. And we sat down. Puis on s'est assis. She launched into a prayer, oh God, quite a long prayer. Puis elle a commencé une assez longue prière. Now let's wait on God and see what he has to say to us. Et puis elle a dit, maintenant, attendons mon Seigneur et voyons ce qu'il veut nous dire. Well, my uncle in Switzerland owned a hotel, and that's where YWAM began in the very beginning, in Hotel Rosa in Châteaudet, Switzerland. En fait, mon oncle en Suisse était propriétaire d'un hôtel, et c'est là où Jem avait fait sa toute première école il y a quelques années, l'hôtel Rosa à Châteaudet. I worked there as a young man in the summers, and I thought, well, I should go to where YWAM started. I'll go to Switzerland. That was my thought. Moi, j'avais travaillé là-bas quand j'étais jeune pour faire des sous pendant les vacances, et puis je me suis dit, je pourrais retourner en Suisse, et puis aller là où Jem a commencé. C'était ma pensée. I was uncomfortable with this lady, so I was having a hard time praying. Mais comme j'étais pas très à l'aise avec cette femme, j'avais un peu de difficulté à prier. She said, okay, let's share. Puis après, elle m'a dit, bon, partageons. Oh, I said, you know, if we come, I mentioned Switzerland, and
do you have anything? Asked my wife. She said no. Et puis je lui dis, ben, vous savez, si on vient, peut-être qu'on pourrait aller en Suisse. Puis je me tourne vers ma femme, je lui dis, t'as reçu quelque chose? Puis elle dit, non. She looked me in the eyes and she said, you're wrong. Et puis elle me regarde dans les yeux, puis elle me dit, tu as tort. Your wife or the other lady? The lady said. La secrétaire. To me, the secretary said to me, you're wrong. La secrétaire m'a dit, tu as tort. At this time, I had problems with ladies in leadership. À ce moment-là, j'avais des difficultés avec les femmes dans le leadership. This was reinforcing my convictions. And then she said the strangest thing. She said, God told me that you should go to Hawaii. Elle me dit, Dieu me montre que vous devriez aller à Hawaii. I thought, what? Et j'ai dit, quoi? I don't want to go on vacation. Moi, je veux pas aller en vacances. I want to go into missions. Je veux aller en mission. Vacation is for coconut milk and palm trees and vacation, not mission. Les vacances, Hawaii, c'est pour le lait de coco et les plages, c'est pas pour la mission. Well, I said, I think we've received what we need today. Thank you so much, and I got up and I left. Puis je dis, bon, ben, je crois qu'on a reçu ce qu'on devait aujourd'hui. Merci beaucoup, puis on s'est levé pour partir. When I got into the car, my wife said, please do not start the motor. Et puis quand on est entré dans la voiture, ma femme m'a dit, s'il te plaît, démarre pas la voiture. Because she could see smoke coming out of my ears. Parce qu'elle pouvait voir la fumée sortir par mes oreilles. I was really upset. J'étais tellement en colère. And then she said something that made the smoke stronger. Et après, elle me dit quelque chose qui a fait augmenter la fumée. She said, what if the lady's right and you're wrong? Et puis si la femme avait raison, puis toi t'avais tort. I was holding the steering wheel and I almost pulled it off. Je serrais le volant dans les mains et j'ai failli l'arracher. So I asked the Lord, Lord, help me, please. Donc j'ai dit, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Clear as could be, the impression came to me, Dale, you're wrong, the lady's right. Et puis, j'aurais pas pu recevoir à ce moment-là une impression plus claire que ça. Où le Seigneur me disait, Dale, tu as tort, et cette femme a raison. Go in there, humble yourself, ask her forgiveness for your pride, and have her pray for you. Retourne vers elle. Aïe. Demande. Aïe, oui. Retourne vers elle, demande-lui pardon pour ton orgueil et demande-lui de prier pour toi. I think you know who your biggest enemy is that right? Je crois que vous savez qui est votre plus grand ennemi, n'est-ce pas? A little hint, it's not the devil. Un petit indice, c'est pas le diable. It's the pride of our hearts. C'est l'orgueil de nos cœurs. It's the pride of our hearts. C'est l'orgueil de nos cœurs. The reason it's so dangerous is you're the last person to know about your pride. Et la raison pour laquelle c'est tellement dangereux, c'est que vous êtes la dernière personne qui soit consciente de votre orgueil. And we all have it to some degree. Et on a tous ce problème à un certain degré. Just in my life as a young man, I had a lot of it. Moi, dans ma vie, en tant que jeune homme, j'en avais beaucoup. And God in His love was helping me to face those things. Et Dieu, dans son amour, m'aidait à confronter ces choses dans ma vie. We put out our letter to ask for mission support, and one person responded. On a écrit une lettre de nouvelles pour demander un soutien missionnaire et il n'y a qu'une personne qui a répondu. $50 a month. $50 par mois. That's all we had. C'est tout ce que nous avons. We sold our furniture. It was not very nice furniture. On a vendu tous nos meubles qui n'étaient pas très, très beaux. Our old car was not a very nice car. Notre vieille voiture qui n'était pas très Just bien. Enough to buy a one-way ticket for the four of us from California to Hawaii. Et on a eu juste assez d'argent pour acheter un ticket aller simple depuis la Californie jusqu'à Hawaii. When we landed at the airport, they told us we have no place for you to stay. Et quand on est atterri à l'aéroport, ils nous ont dit on n'a pas d'emplacement pour vous pour loger. We're still looking for housing. Parce qu'on cherche toujours des logements. This is our first DTS in Kona. Ça va être notre première école de disciples à Kona. Let's trust God together. On va faire confiance à Dieu ensemble. Well, my concerns were not less than before. Donc mes préoccupations n'étaient pas moindres qu'avant. But I knew God had told us to come. Mais je savais que Dieu nous avait demandé de venir. And I had learned to trust God beyond circumstances. Et j'avais appris à faire confiance à Dieu au-delà des circonstances. And so those first months there in Hawaii, we moved about every 3 weeks. Donc ces premiers mois à Hawaii, on a déménagé à peu près toutes les trois semaines. One of the highlights was staying in a two-bedroom house with 28 single girls. Un des sommets pour moi, c'était de pouvoir habiter dans une maison avec deux chambres à coucher, en compagnie de 28 jeunes filles. Yeah. We had 5 minutes once a day in the bathroom. On avait droit à 5 minutes par jour aux toilettes, à la salle de bain. To use the toilet. Pour utiliser les toilettes. And to shower and to dress. Et la douche et s'habiller.
And as soon as the 5 minutes was up, I was banging on the door. Et dès que les 5 minutes étaient écoulées, il y avait des gens qui frappaient à la porte parce qu'il y avait une queue. It was like a circus. C'était comme un cirque. We had a big army bus that would pull up in front of the house, and the neighbors would come out to watch 32 people come out of a small house. On avait chaque matin un bus qui venait nous ramasser devant la maison pour nous amener là où il y avait l'école. Et puis les voisins sortaient pour observer ces 32 personnes qui sortaient d'une maison avec deux chambres. We were birthing a university. On était en train de faire naître une université. It was a time of faith and challenging beginnings. C'était un temps de foi et de début défié. My darling wife was so courageous. Et ma chérie, ma femme, était tellement courageuse. When we started our DTS, quand on a commencé notre école de DTS, they told us there will be people looking after your children so you can really study. Ils nous ont dit, il y aura des gens qui vont s'occuper de vos enfants comme ça vous pouvez vraiment étudier. My son was very insecure and cried, seemed like all the time. Mon fils était très désécurisé, il semblait qu'il pleurait tout le temps. Our little six-month-old was running and climbing on, you know, not climbing with her legs, but crawling everywhere. Notre petite fille de 6 mois, elle rentrait partout, elle allait explorer. My wife went to see these young teenagers that were going to look after our little children. Et ma femme est allée rencontrer ces jeunes adolescents qui allaient s'occuper de nos enfants. And saw that the teenagers changed almost every other day. Et puis elle voyait que ces adolescents allaient changer pratiquement tous les deux jours. She said, Dale, I'm not going to do this. Et elle m'a dit, Dale, je ne vais pas faire ça. YWAM was focused on single young people at the time. À l'époque, JEM se focalisait sur des jeunes célibataires. And families were mainly a logistical challenge. Et les familles étaient surtout des défis logistiques. So my wife left the DTS to look after our children. I'm thankful to this day that she did that. Donc ma femme a quitté l'école pour pouvoir s'occuper de nos enfants et je suis encore reconnaissant aujourd'hui qu'elle ait fait ça. Over the following years, we began to learn how, as we do the mission, to really have families with. Et au cours des années qui ont suivi, on a commencé à découvrir et à apprendre en tant que jeunesse en mission. Comment avoir des familles au mieux. It was at the end of that DTS that the experience with God, where Matthew 28 and Deuteronomy 6, c'est à la fin de cette école de mission. En tout cas, la phase théorique que l'expérience que j'ai vécue, que je vous ai racontée la semaine passée, Matthieu 28 et puis Deutéronome 6 est venue dans mon cœur. So it was very exciting to invite these children and young people to join me to wait on God to hear His voice. Donc c'était vraiment enthousiasmant de pouvoir inviter ces jeunes et ces enfants à se joindre à moi pour écouter la voix de Dieu. I knew about the importance of hearing from God. Moi je savais l'importance d'écouter la voix de Dieu. I depended on that. Je dépendais de cela. The main thing that attracted me to YWAM was to know God and make Him known. Et ce qui m'attirait le plus dans Jeunesse en Mission, c'était de connaître Dieu et de faire connaître. I said, yes, we need to know God. Moi, je disais, oui, il faut qu'on connaisse Dieu. And yes, I want the whole world to know who He is. Et oui, je veux le monde entier qui connaisse qui il est. This I can embrace with the whole heart. Je peux totalement accueillir cette vision. And so, as I invited these children to come together, et quand j'ai invité ces enfants à se réunir, immediately, I recognized how important the teenagers were in the group. Immédiatement, j'ai reconnu l'importance des adolescents dans le groupe. The children could focus for 2 or 3 moments. Les enfants pouvaient se concentrer pendant 2-3 moments. Then they were, you know, in different directions. Puis après, leur pensée partait dans différentes directions. But as the teenagers who were with me in that first gathering of prayer took them on their lap. Mais quand des adolescents qui étaient avec moi pour ce premier rassemblement de prière prenaient les enfants sur leurs genoux. I watched the children connect, disconnect, and then connect again, and the teenagers were providing that stability and focus. Je voyais les enfants qui reconnectaient, qui se déconnectaient de nouveau, qui se reconnectaient, et les adolescents offraient cette stabilité qui aidait les enfants à se connecter. I've told the story so many times, I won't tell it this morning, the green frog story. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la grenouille verte ce matin, j'ai dit. How many of you have not heard the green frog story? Combien parmi vous n'ont jamais entendu l'histoire de la grenouille verte? Have not. Jamais. Maybe I can meet with you separately and I'll tell you that story. Peut-être que je parlerai avec vous quand on se rencontrera cet après-midi dans les moments. It was my first experience in inviting children and young people to join me in waiting on God to speak to us. Mais c'était ma première fois où j'ai invité réellement des enfants et des adolescents à se joindre à moi et à s'attendre à Dieu pour qu'ils se révèlent. And He did speak to us. Et il l'a fait. And we did obey Him. Et on lui a obéi. And we did see God do amazing things in people's lives. Et on a vu Dieu faire des choses étonnantes dans les vies des gens. So, hearing from God and then praying and having intercession together. Donc, écouter Dieu, prier, intercéder ensemble.
It was really in the context of intercession that this ministry was born. Parce que ce ministère est réellement né dans le contexte de l'intercession. I want to pause just for a moment to make a comment on that. Et j'aimerais juste faire une petite pause pour faire un commentaire. Last week we were talking about grace first, truth second. La semaine passée, on parlait de la grâce d'abord et de la vérité. We were talking particularly about one-on-one situations. Mais on parlait en particulier de situations de un à un. Waiting until someone's heart is connected with ours before we take them into the truth. Qu'on puisse attendre que une personne, le cœur d'une personne se connecte avec le nôtre pour pouvoir les emmener dans la vérité. But there are many times when we're not just relating to a person, but sometimes to a crowd of people. Mais il y a bien des situations où on n'est pas en lien avec une personne individuelle, mais avec une foule ou avec un groupe. When you preach, when you teach, quand vous enseignez, quand vous prêchez, when Jesus spoke to the multitudes, quand Jésus parlait aux multitudes, how do you build trust and, you know, this bridge of relationships with each person in a crowd? That's impossible. Comment est-ce que vous pouvez bâtir la confiance, ce pont de relation avec chaque personne, chaque membre d'une foule ou d'un groupe? Ça, c'est pas possible. So how does the principle of grace first, truth second come in the context of public ministry? Donc, comment ce principe de la grâce d'abord et de la vérité ensuite se développe dans le contexte d'un ministère public? What I discovered from a very early stage was when we are spending time with God in intercession. Ce que j'ai découvert dès le début de notre ministère, c'est quand on prend du temps avec Dieu dans l'intercession. He shares his heart with us. Il partage son cœur avec nous. Not just what he wants us to do. Pas simplement ce qu'il aimerait que nous fassions. Or what he wants us to pray for. Ou ce pourquoi il aimerait que nous prions. But he meets us in ways that actually help us get to know who he is. Mais il nous rencontre de manière qui, en fait, nous aide à découvrir qui il est. Because he often speaks to us about himself. Parce qu'il va souvent nous parler de qui il est. And in particular about what he has in his heart, how he's feeling. Et en particulier de ce qu'il porte sur son cœur et de ce qu'il ressent. And his love for the people that we are interceding for. De son amour pour les gens pour lesquels nous intercédons. And it's in intercession that the grace of God comes into our hearts towards the people we're going to. Et c'est dans l'intercession que la grâce de Dieu descend dans nos cœurs, la grâce pour les personnes que nous allons servir. So when we speak the truth, donc quand nous parlons la vérité, we can really speak it in love. Nous pouvons vraiment dire la vérité dans l'amour. But unless we spend that time in the presence of the Lord, mais à moins que nous passions ce temps dans la présence du Seigneur, and really receive his heart for the people, et que nous recevions réellement son cœur pour les gens, we are missing representing him accurately, a God of grace first, truth second. Nous passons à côté de cet aspect de vraiment le représenter, lui qui est un Dieu de grâce d'abord et de vérité. I watched this in the lives of the children. J'ai observé ces aspects dans la vie des enfants. I'd like to show you a picture of that very first group right now. J'aimerais vous montrer une photo de ce premier groupe. And you'll see the green frog as well. Vous allez voir la grenouille verte aussi. I had long sideburns at the time down the side of my face. J'avais des longs favoris le long de mon visage à l'époque. At this point, I'm 28 years old. À là, j'ai 28 ans. And this is the youngest one, Quimby here, 5 years old. Ça, c'est la plus jeune de notre équipe, Quimby, qui avait 5 ans. And she's the one who couldn't read, but had Isaiah 43, verse 9. Et c'est celle qui ne savait pas lire, mais qui avait reçu Isaïe 43, verset 9. And this is the girl who drew the rainbow. Ça, c'est la fille qui avait dessiné l'arc-en-ciel. Okay. And this is the young lady here, who read from Isaiah 43, because Quimby was sitting in her lap. Et ça, c'est l'adolescente qui a lu Ésaïe 43 parce que Quimby était assis sur ses genoux. And this is the little guy who saw the green frog. Et ça, c'est le petit gars qui a eu la vision de la grenouille verte. Okay. Those are the kids. Ça, c'est les enfants. And the green frog is not, it looks more like a monster. La grenouille verte ressemble plus à un monstre. This wasn't the original green frog. C'était pas la grenouille verte d'origine. That one got destroyed in the rainstorm. Parce que celle-là a été détruite par la première pluie qu'on a rencontrée. Along with the rainbow. Avec l'arc-en-ciel d'ailleurs. But this was the little group that we began with. Mais ça c'est le petit groupe avec lequel on a commencé. And we did a program. Et on a fait une présentation. And my passion was that people would know Jesus. Et ma passion c'était que des gens connaissent Jésus. And so we were surprised by the people that came to Jesus. Donc on a été très surpris de voir le nombre de personnes qui sont venues à Jésus. Because the program, when, if you know the story, was not a very good program. Parce que notre présentation, si vous vous souvenez l'histoire, elle n'était pas très professionnelle. But not only that, I was very excited because I watched the children, you know, experience God.
Mais pas seulement ça, moi j'étais très enthousiasmé parce que je pouvais voir les enfants vraiment expérimenter Dieu. Again, Deuteronomy 6 thing, I was trying to set an example of trusting and obeying God. Encore une fois, d'après les principes de Deutéronome 6, j'essayais de donner l'exemple de quelqu'un qui fait confiance à Dieu. I was welcoming them to join me. Et puis je les accueillais pour se joindre à moi. We were hearing God's voice together. On écoutait la voix de Dieu ensemble. We were interceding for the people to have His love for them. Et on intercédait pour les gens pour recevoir son amour pour eux. And then we watched God do what we couldn't do. Et après, on observait le Seigneur qui faisait ce que nous, on n'était pas capable de faire. And it was my very first teachable moment. Et puis c'était mon tout premier. I was able to say, what happened? Et puis, j'ai pu dire aux enfants, who did this? S'est passé? Qui c'est qui a fait ça? And all the kids knew we didn't. Et puis, tous les enfants étaient conscients que c'était pas nous. People would open their hearts to the Lord, in spite of the rain, in spite of all the disaster. Que des gens ouvrent ainsi leur cœur au Seigneur, malgré la pluie et la catastrophe de notre présentation. And in Jesus. Ça pouvait être que Jésus. He was real. Il était réel. He had kept his promise to us. Et il avait gardé, tenu sa promesse. He was faithful. Il était fidèle. He was so powerful. Il était tellement puissant. And as we danced in the rain and the mud, and these outfits were completely covered with mud. Et alors on dansait dans la boue et sous la pluie avec ses habits qui étaient complètement couverts de boue. I watched for the first time a knowledge of God come from the head down to the hearts of children. J'ai pu voir pour la première fois la connaissance de Dieu passer de la tête au cœur des enfants. So I continued in this. I thought, yes, let's do more of this. Donc j'ai continué dans cette direction et j'ai dit, ouais, faisons-en plus. Now, because my heart was to make God known. Parce que la priorité de mon cœur, c'était de faire connaître Dieu. Lauren and some of the other leaders saw my passion and how I was quite creative and able to organize things. Lauren et d'autres leaders ont vu ma passion et ma créativité et la façon dont j'essayais d'organiser les choses. So in a very short time, I became the outreach director for YWAM in Kona. Donc, en quelques mois, je suis devenu le directeur de l'engagement missionnaire pour YWAM Kona. Shortly after this, we secured the Pacific Empress Hotel property. Peu après cela, on a pu louer la propriété d'un hôtel. And the first day that Lauren and Darlene walked onto the property, I walked beside them with my little girl and son and wife, we walked under the property together. Et le premier jour où Lauren et Darlene sont entrés dans l'hôtel, moi j'étais à leur côté avec mon fils et ma fille. And we began to cut down the grass and kill the millions of cockroaches. Et on a commencé à couper l'herbe et à tuer les millions de punaises. There was a nudist colony staying there. People without their clothes on, living in the hotel. Ah, il y avait encore nudistes dans cet hôtel avant. And so we helped them to move somewhere else. Donc on les a aidés à déménager à un autre endroit. We weren't wearing a lot of clothes either because it was very hot. Et nous-mêmes, on n'avait pas beaucoup d'habits non plus parce qu'il faisait très chaud. But at least we had the fig leaves that God gave us. On avait les feuilles de figuier que le Seigneur nous a donné. Teasing, of course. Yeah. Those were pioneering days, is my point. Mon point, ce que je veux dire, c'est que c'était des jours pionniers. We launched Operation Joshua that I was leading. On a démarré l'opération Josué que je dis. I was visiting every home on the island and giving them a Bible. On a visité chaque foyer des îles Hawaï en leur donnant une Bible. And I'm not going to. In the end, literally, there were 17 different forms of outreach that I was responsible for there in Kona. Et au bout de quelques années, j'étais responsable de 17 formes de ministère d'évangélisation différentes and depuis Kona. So King's Kids was one of those areas. Et King's Kids, c'était un de ces 17 ministères. But to me, more was still better. Et pour moi, plus il y en avait, mieux c'était toujours. I love Jesus. I wanted everybody to know him, you know? J'aime Jésus, je veux que tout le monde le connaisse. So it was street preaching on the weekends. Donc les week-ends, j'allais prêcher dans les rues. It was our teams going to all the churches. Et notre équipe allait dans toutes les églises. We had our choirs. On avait nos chorales. Our sports teams. Et nos équipes all de the sport. Things that were going on. And et King's toutes Kids, ces choses qui se passaient. King's Kids was just something I did once in a while at Easter and Christmas. Et King's Kids, c'était un ministère que je faisais une fois de temps en temps, en particulier à Pâques et puis à Noël. So I found a creative package called His Fleece Was White as Snow. It's called His Fleece Was White as Snow. Fleece is the fur on a lamb. And it was a musical about a lamb. Donc on a commencé une comédie musicale au sujet d'un animal dont le titre était Sa toison est blanche comme la neige. And at Christmas it was called
Mary had a little lamb. C'était pour Pâques, et puis à Noël, c'était Marie et son petit agneau. Yeah. And then at Easter was his fleece was white as snow. Et puis à Pâques, c'était sa toison est blanche comme la neige. And we developed this production and we took it to the hotels. Et puis on a développé ces productions puis on les produisait dans les hôtels. We listened to God's voice. On écoutait la voix de Dieu. We interceded for the people. On priait pour les gens. We worked hard on these productions. They were quite elaborate. Et puis on développait le mieux possible ces productions qui étaient assez élaborées. The light show and costumes and special music. Des costumes, des musiques particulières. I got to know many movie stars. Et puis j'ai fait connaissance de beaucoup de stars de cinéma. I could name Mr. Revolta and all the others. I'm sorry, Travolta and others. Je peux mentionner Monsieur Travolta. Very famous, the Fonz, you know, was there with his family, you know, anyway. Lots of movie stars came to these hotels. Beaucoup de stars de cinéma venaient dans ces hôtels pour. And I watched people come to the Lord. Et puis j'observais les gens qui venaient au Seigneur. It was very, very exciting. Et c'était vraiment enthousiasmant. And then we started the next DTS, and Lorraine asked me if I would co-lead the DTS. Après, on a démarré l'école de disciples suivante, et Lorraine m'a demandé si je pouvais la co-diriger avec moi. So I was leading the DTS and in charge of the outreaches. Et puis j'étais directeur de l'école de disciples, et puis je conduisais toutes les tournées. And I loved to worship the Lord. Et puis j'aimais adorer le Seigneur. And in the end, I ended up being the worship leader as well in our DTS. Et j'ai fini par être le directeur de louange de l'école de disciples. And then I became the base worship leader for about 10 years. Et pendant 10 ans, je suis devenu le directeur de louange pour la base. I didn't care if the people were worshiping. Bon, ça m'intéressait pas de savoir si les gens. That's their business. I was going to worship God, you know. So ça c'était leur affaire. Moi, j'allais adorer le Seigneur. I would go crazy worshiping God. Et j'étais just a passion ma louange pour le Seigneur. And I guess the Lord used it because they kept asking me to lead the worship. Je pense que le Seigneur m'a utilisé parce qu'il n'arrêtait pas de me demander de conduire la louange. Of course, I cared about them worshiping, but I wasn't influenced by that. Bien sûr, ça m'intéressait qu'ils puissent louer le Seigneur aussi, mais c'était pas ce qui m'influençait dans ma direction. And so things were going great. Donc les choses se développaient vraiment. In many ways, de beaucoup de façons. I'm not going to add to this the fact that quite quickly we discovered that when families were not involved with us, God was not going to bless this fully. Et je vais pas ajouter à ça que dans les King's Kids, on a rapidement découvert que si les familles n'étaient pas vraiment impliquées avec nous, alors Dieu ne devait pas sa pleine bénédiction. One of the difficulties I had in the beginning was it was difficult to involve a one-year-old and a three-year-old with us in these kinds of productions. Une des difficultés que j'ai vécues au début, c'est que j'avais de la peine à impliquer un enfant d'une année et de trois ans dans ces productions. My own children. Mes propres enfants. They loved to come. Ils avaient envie de venir. For about 25 minutes. Pendant à peu près 25 minutes. Then it was enough. Puis après, c'était assez. And my wife would take them. So it was difficult for us to be involved as a family. We didn't know how to do that. C'était difficile pour nous d'être impliqués en famille. On savait pas comment s'y prendre. And so the story as it unfolds very much involves understanding how families are really foundational to our ministry. Donc l'histoire qui a suivi, elle inclut une grande partie de réaliser combien les familles sont fondamentales dans notre sein. But that's another story. Mais ça c'est une autre histoire. And then one day we got an invitation from a nightclub. Puis un jour, on a reçu une invitation d'un nightclub pour venir. It was at Easter time. C'était à Pâques. And I thought, can we do this musical production in a nightclub? I'm not sure that will go over very well. On s'est dit, est-ce qu'on peut faire cette comédie musicale dans un nightclub? Je suis pas sûr que ça soit très approprié. And the man said, well, only 10 minutes. Et puis l'homme m'a dit, seulement 15 minutes. And the owner of this place must be crazy. Le propriétaire de cette place doit être fou. He actually said that to me. Parce qu'il m'a dit ça. But somehow he saw your kids and he wants them here. Mais quelque part, il a vu vos enfants danser et il a envie qu'ils puissent venir ici. We were late. On était en retard. And we were going to do a few of our songs there. Et on allait faire quelques-uns de nos chants ici. And so we rushed in and this man said, now I want everybody to stop drinking. Donc on est rentré et puis l'homme a dit, j'aimerais maintenant tout le monde arrête de boire. Because we don't want to lose our liquor license. Parce qu'on ne veut pas perdre notre licence. Because minors, you know, cannot be in the premise when there's alcohol being served. Parce qu'on ne peut pas amener des mineurs dans un lieu s'il y a de l'alcool qui est servi. As I looked out from the curtain, I saw there was quite a large number of people there, and it looked like the mafia was there that night. Quand j'ai regardé de côté du rideau, il semblait y avoir passablement de monde, mais l'impression que ça me donnait, c'est comme si la mafia était là. Every country has their mafia. Tous les pays ont leur mafia, n'est-ce pas? They were there. Et eux, ils étaient là.
really expensive suits on, avec des complets très chers, and saying, "Speak to me wrong, and I'll kill you." Une apparence qui nous disait, dis-moi quelque chose de faux, puis je te tue. I thought, I wonder how this will work. Puis je me disais, je me demande comment ça va marcher. Now we got a group of kids to do a couple of songs. Maintenant, on a un groupe d'enfants qui va nous faire quelques chants. And I heard the people out there go. J'ai entendu les gens qui disaient. They were not excited at all. They want to keep drinking. Ils étaient pas du tout enthousiasmés par ça. Ils voulaient continuer à boire. And there were some very beautiful prostitutes there as well. Il y avait des magnifiques prostituées qui étaient là aussi. We were just using, you know, doing musicals for people in hotels. Nous, on avait l'habitude de faire des comédies musicales pour les gens dans les hôtels. People were getting saved, but this was different. Les gens étaient sauvés, mais c'était un contexte quand même différent. So we went out on the stage, and it was a disaster. Donc on est monté sur scène, et c'était un désastre. We felt like we were this tall, you know? On avait l'impression d'être de cette taille. The people like giants. Et que les gens étaient comme des géants. Kids were like all nervous, and some of them started to cry. Les enfants étaient tout nerveux, certains ont commencé à pleurer. The guy who brought us in said, "What the?" And he used bad language, you know. Et puis le what gars is this? Qui nous a invités, il a commencé à s'énerver, il a utilisé des jurons, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? The little boy standing next to me said to me, "Dale, we haven't broken through yet." Et puis le petit garçon qui était à côté de moi, il m'a regardé, il m'a dit, Dale, on n'a pas encore fait le percée. Excuse me? We haven't broken through yet. On n'a pas encore vu le percée. Yes, we hadn't had hard preparation. Et puis je me suis dit, ah ouais, on n'a pas pris le temps de préparation du tout. And we hadn't had a time of worship. Et on n'a pas pris du temps pour adorer. Which we always did before. On faisait toujours avant de venir dans l'hôtel. I've learned that through many different situations. J'avais appris cette habitude au travers de beaucoup de différentes situations. So I said to the man, you know what, could you just give us 15 minutes? Donc j'ai dit à cet homme, est-ce que vous pourriez juste nous donner 15 minutes? He was ready to hit me. He was so upset. Il était prêt à me frapper. Il était tellement en colère. I said, "Okay, okay." Et bien, il a dit, "Okay, okay." So we went outside. Donc on est sorti. And I thought, what is in the hearts of these kids? There must be something terrible that they did. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ces enfants? Ils ont dû faire quelque chose de terrible. So we asked the Lord to search our hearts. Donc on a demandé au Seigneur de venir sonder. They went to each other to make things right. Les enfants sont allés les uns vers les autres pour mettre les choses en ordre. With pure hearts, we turned to the Lord to begin to worship Him. Et puis après, avec des cœurs purs, on s'est tourné vers le Seigneur, on a commencé à l'adorer. And as we did, alors qu'on le faisait, we broke through into the presence of God. On a eu une percée dans la présence de Dieu. God's presence, la présence de Dieu. His peace, sa paix. His tender presence came upon us. Tendre présence qui est venue sur nous. We walked back in. On est retourné sur scène. We were giants. On était des géants. The people were ants. Et les gens des fourmis. Completely different. On se sentait atmosphère. Dans une atmosphère différente. At that time, I didn't recognize how much of it was actually the presence of God. Et à l'époque, j'avais pas vraiment reconnu que, en grande partie, c'était dû à la présence de Dieu. We shared our simple little songs. On a partagé nos petits chants tout simples. And I looked out in the faces of the people, and they were looking shocked, like. Et je regardais les visages des personnes, puis ils étaient choqués. They didn't know what was happening. Ils savaient pas ce qui se passait. And I said to them, you know, as we close our time, we would love to pray with you. Et je leur ai dit, alors qu'on était en train de terminer notre moment, je leur ai dit, on aimerait prier avec ceux qui sont. I said, how many of you would like prayer? Et j'ai dit, combien parmi vous aimeraient prier? And I thought, one or two, but the hands started to go up. Les mains ont commencé à se lever. And I said, okay, let's go out and pray with people. Et puis j'ai dit aux enfants, okay, allons-y, prions avec les gens. Lauren and Darlene's daughter, Karen was with us. She was a very shy little girl. Et la fille de Lorraine et d'Arlène, qui s'appelait Karen, était avec nous. C'était une petite fille super timide. And the kids went out to pray with people. Et les enfants sont allés prier avec eux. I wanted to support them. Et moi, je voulais les soutenir. And I looked over. Et j'ai regardé autour. And I saw that Karen went to the biggest, meanest-looking guy in the place. Huge guy. Et j'ai vu Karen se diriger vers le gars le plus impressionnant de toute la salle, un gars immense. And so I just said, Lord, please protect. J'ai juste prié dans mon cœur, Seigneur. I looked over and she was waving at me. Et puis j'ai regardé de nouveau, puis elle me faisait des signes. So I went over there. Donc je suis allé là-bas. And this guy says, "You're the leader?" Et puis ce gars me regarde en disant, non, yeah. Vous le chef? He said, "This little girl is very sweet." Et puis je dis oui. Et il me dit, cette petite fille est vraiment mignonne. She just asked me a question. Mais elle m'a posé une question. Do I know Jesus? Est-ce que je connais Jésus?
held my breath. Okay. Then big tears came up in his eyes. Et des larmes ont perlé sur ses yeux. He said, I think I met Jesus when I was a young boy. Et il m'a dit, je crois que j'avais rencontré Jésus quand j'étais petit gars. One day when I was in the cathedral lighting candles, un jour que j'étais à la cathédrale et que j'allumais des bougies, I felt a presence around me that I felt tonight. J'ai senti la même présence autour de moi que je peux sentir ce soir. I think it's Jesus. Et je crois que c'était Jésus. I said, I think you're right. Et j'ai dit, je crois que vous avez raison. Would you like this little girl to pray for you? Est-ce que vous aimeriez cette petite fille prier avec vous? Yes. And then Karen said to him, Karen a fille, but first, mais d'abord, you need to open your heart to Jesus. Vous devez ouvrir votre cœur à Jésus. And I said, then would you like to do that? Et puis j'ai dit, est-ce que vous aimeriez faire ça? And just at that moment, the prostitute that was sitting with him stood up really quickly and she left, you know? Et à ce moment-là, la prostituée qui était assise à côté de lui s'est levée rapidement puis elle est partie. He said to me, I've done so many wrong things. Et il m'a dit, cet homme, tu sais, je fais tellement d'erreurs. I said to him, you too? Et puis j'ai dit, certainement. I said, I as well. Et moi aussi. He's forgiven me, and I'll forgive you too. Et Jésus m'a pardonné, je sais qu'il va vous pardonner aussi. And little Karen put her hands right on top of his head. La petite Karen a posé sa main juste sur son crâne. And this man wept and gave his heart to Jesus. Et cet homme a pleuré et a donné son cœur. And it was the beginning of my beginning to understand about ministering to the Lord first. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire de faire les choses pour Dieu d'abord. Breaking through into the presence of God. De vivre une percée dans la présence de Dieu. But, mais, I was still seeing it as a key to reaching people. Moi, je voyais toujours la louange comme une clé pour pouvoir atteindre les gens. I still didn't see that actually ministering to God is in itself the most important thing. Je voyais pas, je percevais pas le fait que en fait faire les choses pour Dieu d'abord, c'est le ministère le plus important. I still saw it as a strategy of being effective in ministry. Je voyais toujours ça comme une stratégie pour être efficace dans le ministère. And we began to take some little steps together. On a commencé à faire quelques pas ensemble. And I'll share some of those stories when we meet with the kids another time. Et je partagerai certaines de ces histoires dans les soirées de témoignage avec les enfants. We saw amazing miracles happen. On a vu des miracles incroyables se produire. We were in a Mormon church. On était dans une église mormone. If you know anything about the Mormons, et si vous connaissez quoi que ce soit au sujet des Mormons, the largest church in Honolulu, la plus grande église mormone de Honolulu. And as we worshiped the Lord there on an Easter Sunday morning, et alors qu'on adorait le Seigneur là-bas un dimanche matin de Pâques, again, une fois de plus, God's presence came so powerfully into that large church. La présence de Dieu est venue tellement forte dans cette grosse église. At the end, the pastor didn't know what to do. He was crying. À la fin, le pasteur savait même pas quoi faire. Il pleurait. Messy crying. His nose was running. He was trying to. Son nez coulait. Il essayait de cacher ça. And I was supposed to close it. I didn't know what to say. Et moi, j'étais censé conclure, et je savais pas quoi dire. And I said, "We're in the presence of God." Et puis j'ai dit aux gens, nous sommes dans la présence de Dieu. He's here to meet with us. Et il est là pour nous. And in that moment, et à ce moment-là, a wind. I'm not exaggerating. J'exagère pas. Il y a un vent. I don't know where it came from. Je sais pas d'où il est venu. It came whoosh into the room and slammed the window shut. Some of the windows broke. Entré dans la pièce et il a fait claquer les fenêtres à tel point que certaines se sont brisées. And people, ah! They screamed in the place. You know, et it was just scary. The presence of God shook that building. Qui secouait le bâtiment. And we're all standing there going, et nous on était tous là. The presence of God. We were just ministering to the heart of God. On était en train d'adorer, de chercher le cœur de Dieu. And you know what happened? Et vous savez ce qui se passait? The pastor came to me and said, "Can I go with you?" Il est venu vers moi et il m'a dit, est-ce que je peux venir avec? I said, "Sure. We're going to do another concert later on today." "No, no," he said. "I'm leaving my church. I want to go with you." Et puis j'ai dit, bien sûr, vous pouvez venir avec moi. On va faire un autre concert plus tard dans la journée. Il m'a dit, non, non, c'est pas ça que je pars. Je veux quitter mon église et vous suivre. He's a Baptist pastor in Dallas today. Aujourd'hui, il est pasteur baptiste à Dallas. The presence of God. La présence de Dieu. As we minister to him. Alors que nous. As our first priority. Alors que nous adorons et nous cherchons son cœur comme une première priorité. He reveals himself in power. Is that right? Il se révèle directement avec lui. And so,
you know, we were learning as we went along. Donc alors qu'on allait de l'avant, on apprenait. And I don't want to go too long because we have a break, is it? Great. I want to share the scriptural basis for these things. But I thought, telling my story, I'll tell you why I'm telling you my story. Et je vous explique pourquoi je vous partage mon histoire et comment j'ai grandi dans ces choses. Because all of us are on a journey, you know? Parce qu'on est tous dans un cheminement. We can hear these things that happen with other people or ces témoignages, ces histoires qui sont passées pour d'autres personnes. This is what we're supposed to do in King's Kids. Ah ouais, c'est ça qu'on est censé faire dans les FJ. But we can't minister to the Lord as our first priority because we're supposed to. Mais on ne peut pas juste faire les choses pour Dieu comme priorité première juste parce que c'est ce qu'on doit faire en tant que you know, or because that's the core value in King's Kids. Ou parce que c'est une de nos valeurs clés. It can be our objective and something that helps to describe who we are. Ça peut être un objectif ou quelque chose qui nous aide à décrire qui nous sommes. But we all have our journey. On a tous un chemin à faire. To come to know Him. Pour en arriver à vraiment le connaître. And in our own way to move beyond getting the job done or doing something for God, you know. Et à notre façon d'aller au-delà de simplement faire le travail, faire du ministère, faire quelque chose pour Dieu. So that, like David, we can say one thing I desire of the Lord. Afin que comme David on puisse dire une chose que je désire ardemment. And that's what I also seek. C'est de l'habiter dans la maison du Seigneur. I'm still on the journey. I haven't arrived yet. Moi, je suis toujours dans mon chemin. We're all on y est tous. Coming to know Him. Tous ont grandi dans notre connaissance de Lui. We're all growing into what it means to love Him with all of our heart. Et on grandit tous dans la compréhension de ce que veut dire l'aimer de tout notre cœur. And so because it's a journey for all of us, I thought I would share a little bit out of my journey to just encourage you in your journey. Et parce que c'est un cheminement pour nous tous, j'avais envie de partager un tout petit peu de mon cheminement pour vous encourager dans le vôtre. Now, in the midst of all of these different outreach things and DTS leadership, I have become responsible now for the state of Hawaii. So now we had multiple YWAM locations in Hawaii, and I was responsible for these. Et au milieu de toute cette lourde, l'école de disciples, de toutes ces actions missionnaires, j'étais devenu le responsable de GEM pour l'État d'Hawaii, parce que maintenant on avait plusieurs bases de GEM. But something I noticed was that the greatest encounters with God and God's presence and power was happening through the children, the young people, and now we have families with us. Et une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'au milieu de tout mon activisme, les moments où on rencontrait la présence de Dieu de la manière la plus forte, c'était quand on était avec les enfants, les adolescents, et maintenant on avait des familles. But once in a while, as I would step out with the DTS teams in other places, we would also see the power of God in action as I was applying the same kinds of principles I was learning with our King's Kids. Okay, I experienced out there similar things with other ministries that I was experiencing with King's Kids. Et je commençais à expérimenter avec d'autres ministères les choses similaires que ce que je vivais avec les FJ. They all began in intercession. Ils commençaient tous dans l'intercession. And all involved hearing His voice. Et ça impliquait chaque fois d'entendre sa voix. Obeying Him in detail, de lui obéir dans les détails, receiving His heart, de recevoir son cœur pour les gens. But more than that, in the midst of it, having our hearts just drawn to Him and focusing on exalting Him. Mais plus que ça, au sein des activités, d'avoir nos cœurs qui sont d'abord attirés par Lui, you know, et qui sont concentrés sur le fait de l'exalter et de l'aimer. Do you know who the Hare Krishna are? Krishna. Vous connaissez les Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Krishna. They dress in yellow. They were quite a strong cult. Ils s'habillent en jaune et puis ils chantent comme des lapins. C'est une secte assez forte. It's a form of Hinduism. C'est une forme d'hindouisme. Krishna, the Beatles, you know, they found their savior in Krishna. Les Beatles ont trouvé leur sauveur dans Hare Krishna. And in Hawaii, it became their main headquarters internationally. Et Hawaii est devenu leur quartier général principal au niveau international. So once a year, 10,000 of their leaders would come to Honolulu. Donc une fois par année, 10,000 de leurs responsables venaient à Honolulu. And so we were praying with the DTS. Donc avec l'école de disciples, on priait. We felt we were to gather as DTS outreach teams there for this special time where these 10,000 Krishnas would come. God would do something.
Et on a senti qu'on devait se réunir là-bas avec les équipes de phase pratique d'école des disciples et que Dieu allait faire quelque chose de particulier avec ces adolescents. So I led about 50 DTS students that were in these three teams through a time of hard preparation, just like we did with King's Kids. Donc j'ai conduit ces 50 étudiants d'école des disciples dans un temps de préparation du cœur, comme on le faisait avec l'IFJ. And then came the big parade. Puis est arrivée la grande parade. Down the main road there in Waikiki, Hawaii. Sur la rue principale de Waikiki, à Hawaii. Thousands of people lining the streets. Des milliers de personnes le long de la rue. And the Krishnas had three big carts with towers that went way up in the air. Et les Krishnas avaient trois chars dans le cortège avec des tours bâties sur les chars qui servaient dans les airs. And then images of Krishna and other gods there, and it was like a mobile Hindu temple. Et il y avait sur ces tours des images de Krishna et d'autres dieux. C'était comme des temples hindous mobiles. They had their children with them, all in yellow robes. Ils avaient aussi leurs enfants avec eux en robe jaune. And they were pulling these carts. Et puis ils tiraient ces chars. And we had had this time of prayer and intercession. We were standing there on the sidewalk watching this. Et on avait eu ces temps de prière, d'intercession, puis on était là sur le trottoir, on observait ça. Looking for God to bring His presence into this situation. S'attendant à ce que Dieu fasse venir sa présence dans cette situation. And as the children went past, I noticed their eyes were flipped back. Et alors que les enfants passaient devant nous, j'ai remarqué que leurs yeux tournaient sur eux-mêmes. They were demon-possessed children. C'était des enfants possédés. It was a terrible situation. C'était une situation terrible. And I said, "Oh God." Et j'ai dit, Seigneur. Oh God. Seigneur. We worship and exalt You. Would You come now and visit this situation? Nous t'adorons, nous t'exaltons. Est-ce que tu veux venir maintenant et visiter cette situation? And the Lord said to me, "Call down fire." Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, appelle le feu. Excuse me. Et j'ai dit, pardon. Call down fire. Appelle le feu. Guys, can we get together here? Let's pray for the fire to come. Et puis j'ai dit aux étudiants autour de moi, est-ce qu'on peut se rassembler pour appeler le feu de Dieu à venir? Even as I said it, the Lord said, I didn't ask you to pray about it. I told you to call down fire. Et même alors que je faisais ça, le Seigneur me disait, je t'ai pas demandé de prier pour ça. Je t'ai demandé d'appeler le feu. So I said, okay, in Jesus' name, fire come down. Alors j'ai dit, bon, au nom de Jésus, feu descend. I knew that's not what He was asking me to do. So I got up on the bench there on the side of the street and I shouted at the top of my lungs. Donc je suis monté sur un banc au bord de la route et j'ai crié du fond de mes poumons. My heart was in my mouth. Mon cœur était dans ma bouche. I was sure I was going to get arrested. Et j'étais sûr que j'allais me faire arrêter. And I said, this is an abomination before the living God. Et j'ai dit, c'est une abomination devant Dieu vivant. And God will consume this idolatry with His fire. Et Dieu va consumer cette idolâtrie avec son feu. And you know what happened? Et vous savez ce qui s'est passé? Nothing. People were all looking at this crazy man. Tout le monde regardait ce colo. The DTS students were going, we don't know the guy. I said, what do I do, Lord? He said, call it down again. Et puis il m'a dit, appelle-le de nouveau. I can't do that. So this time, even louder, I shouted. Mais j'ai obéi et j'ai crié encore plus fort. Three times. Trois fois. Nothing happened. The police were coming. Yeah, the police were coming through the crowd towards me. La police était en train de diriger ma réaction. At least I obeyed God. That's okay. Suddenly there was aah! Like this, people screaming. Et tout d'un coup, j'ai entendu des gens qui hurlaient. I don't know how. I think the wind blew some of the tent into an incense burner. You know, that was there. Je sais pas ce qui s'est passé, mais une des tours qui était en fait des tentes. Smoke started to pour out. Je crois que le vent a fait tomber de l'encens qui brûlait et puis l'étoffe a pris feu. And this entire chariot caught on fire. Et un chariot entier s'est mis à brûler. People were all, les gens étaient là. And I was like, hallelujah. Hallelujah. I stepped down in there and a little lady. Et je suis descendu de mon banc et il y a une petite femme. Very little lady. Toute petite femme. In a yellow robe, she came up to me and she said,
you demon, and she punched me right in the nose. Elle s'est approchée de moi avec sa robe jaune, elle faisait partie des Hare Krishna, puis elle m'a dit, espèce de démon, puis elle m'a donné un coup de poing sur le nez. My nose was bleeding all over my nice, you know, tropical suit. Et mon nez saignait sur ma belle chemise tropicale. One moment, I was this great prophet calling down fire. Une minute avant, j'étais ce grand prophète qui avait appelé le feu du ciel. The next moment, I was this guy sitting on the side, holding his nose, going. Et puis la minute après, j'étais ce gars assis sur le côté en train de parler en se tenant le nez. The Lord has a way of keeping us humble, is that right? Le Seigneur a toujours des moyens pour nous maintenir dans l'humilité. But the other chariots were going. Mais les autres chars continuaient d'avancer. I said, Lord, what do you want to do? Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? He said, now call down the high place. Call down the high place. Call it down, the high place. Yeah, call it down, bring it down. Appel, c'est au lieu à appeler. So I looked and the cart was going by and it was very tall. You know, it was very high the way it was there. Puis je voyais un de ces chariots, il était avec une tente, une tour très haute dessus. So I think my nose is broken, but I'm not, it's still bleeding, and I run around the front of it. Et mais je pense que mon nez, il saignait toujours, il était sérieusement brisé. In front. Et j'ai couru devant le deuxième chariot. And I think, well, what is there to lose? Et puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? I said, in the name of the living God. Et j'ai dit, au nom du Dieu vivant. I curse this thing. Je maudis cette chose. And I call down this high place. It will crumble before the living God. J'appelle ce haut lieu à s'effondrer devant Dieu vivant. And this time, thankfully, something happened right away. Merci, cette fois, il y a quelque chose qui s'est passé du premier coup. A wind started to blow. Un vent a commencé à souffler. In gusts, like this. Un bourrasque. Like this. Comme ça. And then, it broke. Et tout à coup, la tour s'est brisée. It came tumbling down. Et puis, il est tombé. And the Krishna ran screaming in all directions. Et les Krishna sont partis en hurlant dans toutes les directions. The presence of God. La présence de Dieu. The authority of God. When he's given his wife the place. So I was experiencing the miraculous, not just in King's Kids, in other places, but it was the same principles, you know? Donc j'expérimentais le miraculeux, pas seulement dans les régimes, mais aussi dans d'autres dimensions. I was mais on partait toujours avec les mêmes principes. I was seeing beyond evangelism. Je commençais à voir au-delà de l'évangélisme. Because in YWAM, it was know God and make him known. You know? Parce que dans Jeunesse en Mission, c'était connaître Dieu et le faire connaître. So our sense of success was how many people were coming to the Lord. Donc notre carte de visite et notre sentiment de succès, c'était combien de personnes sont venues au Seigneur. And we would worship him because I led people in worship all the time. Et puis on l'adorait parce que je conduisais toujours des gens dans la louange. But one of the main reasons we were worshiping was to overcome the enemy. Mais une des principales raisons pour lesquelles on adorait, c'était pour pouvoir vaincre l'ennemi. We were worshiping the Lord so that there can be authority and witness to be able to bring people to Jesus. Et on adorait le Seigneur pour qu'on puisse avoir de l'autorité dans le témoignage pour amener des gens à Jésus. But still that understanding of ministering to the Lord for his sake. Mais cette compréhension de adorer le Seigneur juste parce qu'il le mérite. Not so that things would happen and you know things would change or people would be saved. That's important too. But that's secondary. Pas seulement que des choses changent ou des choses se passent ou des gens soient sauvés. C'est des choses importantes, bien sûr. And it was during this time that this one of our families said, "There's a man visiting us here." Et c'est pendant cette période que une de nos familles a dit, "Ah, il y a un homme qui est venu nous visiter ici." And we think we should invite him to our intercession time next week. Et on a l'impression qu'on devrait l'inviter à un temps d'intercession la semaine prochaine. And when he came, he spoke to us about Hiroshima. Et quand il est venu, il nous a parlé d'Hiroshima. And do you remember my story I told the other night? Et vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée l'autre soir? What I didn't say, ce que je n'ai pas dit, was how important our times of intercession were. C'était combien nos moments d'intercession avec les enfants étaient importants. And that night, we didn't just get a sense of direction to go to Hiroshima. Et cette nuit-là, on n'a pas simplement reçu un sens de direction pour pouvoir aller à Hiroshima. God also spoke to us out of Isaiah chapter 12. If you could project that, Johan, please. Dieu nous a aussi parlé à partir des Isaïe au chapitre 12. Chapter 12, verses 4 and 5. Les versets 4 et 5. And I don't know what it says in this translation. Je ne sais pas comment c'est traduit ici. Even the NIV is not the translation we were using at the time. Même la traduction ici, c'est pas celle qu'on utilisait à l'époque. Translation we were using said, "Give praise to the Lord and call on His name." La traduction que nous utilisions.
traduction disait célébrez l'Éternel et faites appel à lui. And then to make known among the nations what he has done. Faites connaître ses actes parmi les peuples. And then to proclaim that his name is exalted. Et proclamer combien son nom est exalté. That we were to sing to the Lord, for he has done glorious things. Qu'on était appelé à chanter à l'Éternel, car il avait fait des choses glorieuses. Let us be known to all the world. Et qu'on les fasse connaître sur toute la terre. But the wording and the concept that came out was that we were to go into the nations to minister to him. Les termes et les concepts qui sont sortis de ce moment de prière, c'était que l'EFJ était appelé à aller dans les nations pour exalter Dieu et faire connaître ses œuvres. And in that moment, as we received the scripture, et au moment où on a reçu ce verset, it was our first word from God to go out to the nations. C'était la première fois que Dieu nous parlait d'aller dans les nations. But also, a question I had in my heart was beginning to find an answer. Mais aussi, une des questions que j'avais sur mon cœur commençait à trouver une réponse. What is the place of King's Kids in YWAM? Quelle est la place de King's Kids dans notre chaîne? And the thought came to my mind. Et la pensée est venue dans ma tête. Maybe we have a Levitical call. Peut-être que nous avons un appel lévitique. You know, within the nation of Israel, the Levites had a special role. Vous vous souvenez que dans la nation d'Israël, les Lévites avaient un rôle particulier. Maybe that's why when we are there and worshiping the Lord, not just doing programs or evangelism, but worshiping Him, maybe that's why His presence comes in such a special way. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, quand nous tenons à des endroits et que nous commençons à adorer le Seigneur, pas juste à évangéliser, sa présence descend d'une manière particulière. Maybe in fact that's our main reason for being. Peut-être en fait est-ce notre principale raison d'être. And then I was going through my mind, of course, that's what we're going to do for all eternity. Et après, dans ma tête, j'ai commencé à me dire oui, mais c'est ce qu'on va faire pour toute l'éternité. So when we went to Hiroshima, quand on est allé à Hiroshima, I didn't say this in the story specifically. J'ai pas dit ça spécifiquement dans l'histoire. But when the thousands stayed afterwards for our concert, mais quand il y a des milliers de personnes qui sont restées pour notre concert après, all we did, tout ce que nous avons fait, was minister to the heart of God. C'était simplement adorer. But what we had found in waiting on him was, he wasn't just saying, I want you to go, I want you to do this and this. Mais ce qu'on a découvert qu'il voulait que nous fassions, c'était pas juste, je veux que vous alliez à ces endroits et que vous fassiez ceci et ceci. He would share his disappointments with us. Il allait partager avec nous ses déceptions. His loneliness with us. Et sa solitude. God lonely? Dieu seul? He would share with us his pain. Il allait partager avec nous sa souffrance. And what he actually told us was that what happened in Hiroshima broke his heart. Et ce qu'il nous a dit en fait, c'est que ce qui s'est passé à Hiroshima avait brisé son cœur. That he was suffering. Et que Dieu souffrait. Over the pain of the people. À cause de la douleur des gens. But he wasn't saying it was wrong to drop the bomb. Il a pas dit qu'il était faux d'avoir lâché. Because I asked him that question. Parce que je lui ai posé cette question. Because actually the bomb saved millions of lives. Parce que cette bombe a en fait sauvé des millions de vies. Because the Japanese were preparing to die to the last person to stop the Americans invading. Parce que les Japonais étaient préparés à mourir jusqu'au dernier pour stopper l'invasion américaine. So 200,000 people died instead of millions. Donc 200,000 personnes sont mortes au lieu de millions. But each one of those children, each one of those people who suffered and were still suffering, God's heart was grieving. Mais chacun de ces enfants, chacune de ces personnes qui sont décédées, a brisé le cœur de Dieu et Dieu souffrait encore à cause de ces. So as we stood there in the peace park, donc quand on s'est tenu là dans la partie dans le parc de la paix. With the sense that God was calling us to minister to His heart in the nations. Avec ce sentiment que Dieu nous appelle à minister, bless Him, à le bénir, à servir son cœur, à réjouir son cœur, à l'adorer dans les nations. We wept tears together. On a pleuré ensemble. Over how much pain He had in His heart over what was there. Combien de souffrance il y avait dans son cœur. It started in intercession on the bus. Ça a commencé dans l'intercession dans le bus. When we couldn't sing the song. Quand on pouvait pas chanter les chants. But there we said, Lord, we're so sorry. Mais là, on était en train de pleurer en disant, Seigneur, on est tellement désolé. We know you long to heal the hearts of these people. Tu sais, nous savons combien tu aspires à venir guérir le cœur de ces gens. We care about you. Et nous, on se préoccupe de toi. Please forgive us and each one that has caused this pain to you. Seigneur, pardonne-nous et pardonne tous ceux qui ont causé cette souffrance dans notre vie. We love you and exalt you.
nous tellement exaltant. We declare that you're a just God. Nous déclarons que tu es un Dieu qui est juste. A kind God. Un Dieu qui est bon. And we began to speak out, you know, who he is. Et nous avons commencé à déclarer qui il est. Then we began to worship him together. Nous avons commencé à l'adorer ensemble. And as we did, et en faisant cela, again, une fois his presence, sa présence, and people encountering Jesus, les gens qui ont rencontré Jésus, the pastors who had come, les pasteurs qui sont following up those who were there, en suivant ceux qui étaient là. And it's our story. C'est notre histoire. And so as we continue here together as a ministry, donc alors qu'on continue ensemble dans notre ministère, whatever setting we do this in, I'd like us to go further in the scripture. We're going to break now for the morning break. Et j'aimerais qu'on puisse poursuivre cette semaine avec des fondements bibliques pour ces choses. On va faire une pause maintenant pour prendre la pause. But at the right time and the right way, I'd like to leave with you the scriptural passages. Mais plus tard dans la semaine, je vais vous laisser les passages bibliques. That really provide that unshakable foundation of how this can be not just one of the things we do. Qui vont nous donner le fondement pour nous montrer que ce n'est pas juste une des choses que nous faisons. But at the heart of our ministry. Mais que c'est le cœur de notre ministère. That wherever we go, que où que nous allons, individually or as a ministry, we're there to be as the Levites, nous sommes là pour être comme les set apart for him, que mon cœur soit tourné vers lui, to minister to him, pour l'adorer. And you know, as that happens, there is fruit that is born. Et vous savez que quand on fait ça, il y a du fruit qui est born. And so that's why, as you know, in our purpose statement, we do not say our purpose is to know God and make Him known. C'est pour ça que dans notre énoncé de mission, nous n'avons pas simplement pris le même que je n'ai sa mission, en disant que notre mission est de connaître Dieu et de le faire connaître. Yes, it's to know God, of course. Oui, c'est de connaître Dieu, bien sûr. But then, out of that, to bring joy to His heart. Mais depuis là, de réjouir son cœur, to minister to Him, de pouvoir lui apporter de la joie. And out of that, et à partir de là, to make Him known, de pouvoir le faire. I remember again when I met Louise Neunschwander the first time. Je me rappelle encore la première fois que j'ai rencontré Louise Neunschwander. She had this vision to work with the children and was excited about worship. Elle avait cette vision à Lausanne, commencer quelque chose avec les enfants, puis elle était porteuse de quelque chose sur la louange. This was our conversation. C'était notre conversation. Heavenly Father. Père Céleste. Again, we can't do these things because it's a good idea or we're supposed to. Une fois de plus, on ne peut pas juste faire ces choses parce que c'est une bonne idée ou qu'on est censé les faire. And many of us, Lord, if not all of us, already have these things in our hearts. Et beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas nous tous, on a déjà ces choses sur nos cœurs. And we ask you, Lord, to lead us in our next steps with you. Et on te demande, Seigneur, de nous conduire dans nos prochains pas avec toi. Not only when we go home, pas seulement quand on va rentrer à la maison, but here. Ici, during Fortify, pendant Fortify, would you lead us and teach us how to really meet with you and minister to you? Est-ce que tu pourrais nous conduire et nous montrer comment on peut déjà commencer à réjouir ton cœur? So many people think that because you're so big and strong, tellement de gens pensent que parce que tu es tellement grand et tellement fort, that you don't have any needs, que tu n'as pas de besoin, that you're not lonely, que tu n'es pas seul, that you're not hurting, que tu n'es pas blessé, that you're not grieving, que tu ne pleures pas. We often think that how can we bring you joy by doing the right things. Souvent, on réfléchit comment est-ce qu'on pourrait réjouir ton cœur en faisant les bons choix. But we also realize there's so much about not doing the wrong things. Mais on réalise souvent que c'est pas au sujet de faire les bons choix. And being aware of the pain that you experience. Mais de prendre conscience des souffrances que tu. So thank you for inviting us, Father, to draw near to you today. Merci de nous inviter à nous approcher plus loin de toi. Teach us, Lord, how to walk with you. Apprends-nous comment marcher avec toi. We really want you to be able to reveal your glory as you desire on the earth. Nous voulons vraiment que tu puisses révéler ta gloire comme tu le désires sur la terre. Could you show us our part, Lord? Est-ce que tu peux nous montrer quelle est notre part? Ministering to you the way that you're worthy. Et que nous puissions servir et chercher ta présence de la façon dont tu le